TV. Ma aussi roi de Kwemitolegbe. La parole qui libère. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Grand roi, nous te remercions. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Seigneur, les gens le désirent mais ils l'ont pas eu. Mais tu nous l'as donné gratuitement. Merci Seigneur. Merci pour la vie de nos enfants. Merci pour la vie de nos femmes. Merci pour la vie de nos maris. Merci à cause de nos allers et retours. Merci pour le 9e mois que tu nous donnes. Le mois de l'accouchement. Qui est le mois de l'accouchement. Le ciel s'ouvre sur nous. Projet debout. Tout posé. Demi-lè. Que nous avons planifié. Ben wa mea. Qui n'est pas encore accompli. Soit la mini Didi le ce soir que ça soit accouché au nom de Jésus. Réponds amen, tu le reçois. Tito debout. Tout plan. Mariage à toi. Tout projet que tu as, est-ce le mariage? Là-dedans, tu veux recevoir. Voyage, ouais. Un voyage. À quoi bah, tu veux de l'argent. Tu prophétises maintenant que cela s'accomplit. Ça s'accomplit sur ta vie au nom de Jésus. Ça s'accomplit au nom de Jésus. Les hommes, ça que quitte. Retard les gosses. Les retards partent. Les pleurs quittent. Au nom de Jésus. Assieds-toi, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème de la prédication. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Voisin. Dis mon voisin. Prenez garde aux chiens. Sinon le chien va te mordre. Oh. 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 On avait parlé du cochon. Mais aujourd'hui, Chukule. C'est le chien. L'homme de Dieu même a souri. L'homme de Dieu même a ri. Faut te moquer des chiens, je vais voir. Ri. Ça te dit la compta. Frappe ta poitrine avec ta main droite. Au nom de Jésus, je ne serai pas un chien. Je ne serai jamais un chien au nom de Jésus. Mon enfant ne sera pas un chien. Ma femme ne sera pas un chien. Mon mari ne sera pas un chien. Au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi bien. Il y a des chiens dans l'église aujourd'hui. Des chiens au dehors. Écoute-moi bien. Ce qu'on appelle chien, si on ne te parle pas de ça, si on ne te l'explique pas, les chiens vont te mordre quand tu ne te t'en rendras pas compte. Pourquoi? Ils sont auprès de toi. Ils sont dans ton marché, dans ton service, dans ta maison, dans ton église. Ils sont tes proches. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. En tout moment où tu veux rentrer dans une maison, mais attention, chien méchant. Et on écrit au portail attention chien méchant. Quand on voit ça en même temps, on a peur. Ai-je menti? On te dit de faire attention. Il y a un animal féroce ici. Si tu ne sais pas rentrer dans la maison, tu seras mordu par un chien. Certains font la plaque. Et on dessine le chien. Le berger allemand. Qui est sur la porte. On l'écrit attention au chien au rouge. L'écriture est rouge. Et on dit attention chien méchant. Dis à ton voisin attention chien méchant. Attention chien méchant.
Et le monde d'ailleurs. Quand on te dit ça. Et on dit d'ailleurs, voyez non, vous êtes obligé de dire mais. On dit de prendre garde aux méchants. Il y en a zèle les gosses au bout. Ils vont se revêtir de la peau d'une brebis. Nous t'envoyons les gosses au. C'est quoi se revêtir de la peau d'une brebis? Il y en a un milieu mité qui voit une main aussi vie. Ils vont dire qu'ils sont au milieu de vous étant enfant de Dieu. Il y en a un coup de chaoui. Ils vont prier avec toi. Il y en a un à quoi? Ils vont te donner de l'argent. Il y en a un quoi avant là on a. Ils vont t'acheter de pain. Il y en a un loulou noué. On va te préparer à manger. Il y en a un. Ils prendront soin de toi. Ils vont même pleurer avec toi. Mais j'ai doué ouais. Mais c'est pour te mordre. Il y a beaucoup d'amis aujourd'hui. Beaucoup de pères aujourd'hui. Beaucoup de mères aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux sont des chiens. Et qu'ils sont enragés et cherchent qui mordre. Le temps il m'a ouvert, non, vous allez finir du mal à doué. Avant de dire, écoute-moi, sinon ils vont te mordre. Et puis, ils sont pas dans la couleur, mais. Ils sont nombreux dans les églises aujourd'hui. Et puis, ça peut être ton prophète, même. Et puis, pasteur, toi. Ça peut être ton pasteur. Et puis, ancien, toi. Ça peut être ton ancien, ton diacre. Et puis, évangéliste, ça peut être l'évangile dans ton église. Non, vous êtes. Prends garde. Attention, chien, mes gens. En tout moment où un chien saute sur toi, il veut une chose. Il ne veut pas te garder. Non. Il ne veut pas t'attraper. Mais c'est pour te mordre. C'est pour te griffer. C'est pour déchirer ton habit. En tout moment où il y a un méchant auprès de toi, c'est pour te faire du mal qu'il est auprès de toi. Il y a beaucoup de gens qui sont des chiens qui veulent te mordre. Et ils ont porté des habits de brebis. Et ils tiennent la Bible en main. La Bible en main. La Bible peut être bien grande. Et pour te tromper. Et porter des paroles mielleuses. Et ils sont les meilleurs. Et ils sont bons. Et ils veulent aller au paradis. Attention. Chien méchant dans la maison. Si le chien est dans une maison, ce n'est pas tout le temps qu'il y a un chien dans une maison qu'on écrit au portail attention chien méchant, non. Non. Il y a des maisons où on n'écrit pas. Il y a des maisons où il y a le chien, tu rentres, mais tu ne le verras même pas. Pourquoi il est en cage? Et on suit la jardin. On le ferme dans une cage. Pour grand roi. Et quand l'air sonne, on éteint toutes les lumières du dehors. Et on ouvre maintenant la cage à pipo de sortie. Si il sort, et il s'enferme dans la chambre et se couche. À tout moment où un voleur vient. En tout moment où un intrus vient, qui ne demande pas l'autorisation du propriétaire, la nuit là, il va parler, il va dialoguer avec Pipo ou Minou. Je ne connais pas le nom de ton chien. Certains prennent bien soin de leur chien. Je connais un chien, son repas coûte 2500 francs le matin, midi 2500, le soir 2500. 7500 par jour. Et le fruit là, mais. Ce n'est pas parmi les fruits ou les croquettes. Les croquettes, c'est pas dedans. Un jour, le gardien qui lui servait à manger, que j'enfonce ou bien que je fais demi-tour. Un jour, le gardien, c'est à lui, on lui remet l'argent, il va payer du riz et de la viande pour le chien. Un jour, on envoyait le gardien. Lui-même, ça ne marchait pas à l'intérieur. Il avait très faim. Et il a payé le riz. Il a payé la viande. Tel qu'on a lancé la commande, il a payé ici. Quand il était proche de la cage, il a pris une fouchette. L'a mis dans le repas. Et il voulait mettre dans la bouche. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ses dents se sont crochées à la fouchette. Mais là, et il n'arrivait plus à relever. Et les cris ont commencé. Le repas de certains chiens. Si on te le remet, tu vas manger comme si tu étais allé au restaurant pour manger.
Certains chiens sont plus rassasiés que des humains sur la terre. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut être méchant et avoir de l'argent. Il y a des sorciers qui sont riches. Hein? Oui. Hein? Oui. Mais non, vous avez dit. Prenez garde aux chiens. Yo, il a pas mis ton port. Ils sont beaucoup auprès de vous. Et ce qu'on a fait, maintenant, il s'est fait ami à toi pour ruiner ta vie, pour te tuer. Et pour te tuer, il est près de toi. Il y a beaucoup de chiens aujourd'hui. Mais là, pas trop beau, quoi, non, et ils sont près de toi, te donnent de l'argent, pleurent avec toi, se lamentent avec toi, mais c'est pour te tuer. Non, c'est donc pas toi, dis. Prends gratuite ta vie. Mais il y a des choses bien, mais toi. Ce n'est pas tous ceux qui pleurent avec toi qui sont tes proches. Et non, contre, je te crois, ce n'est pas parce qu'il est resté avec toi à l'hôpital là qu'il est ton proche. Retourne d'abord Jésus-Christ dans un temps. Le meilleur ami, c'est Jésus. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 2 à 3. Prenez garde aux chiens. Mais non, on s'est dit tu coules dit. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Mais non, on s'est dit à Zawaton Nyanle dit. Prenez garde aux faux circoncis. Mais non, on s'est dit, mais ma boîte à boyer, et boîte à dit. Car les circoncis, c'est nous. Donc, mais Guadana Léa Ewenyi Midele. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. Alléluia. Amen. Mais non, vous êtes tu coules dit. Prenez garde aux chiens. Mais non, vous êtes soit attendez en dit. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Mais non, vous êtes mais ma quoi bro, mi quoi d'abord dit. Prenez garde aux faux circoncis. Mais non, t'as mis quand dit. Écoutez-moi bien. Mais là, ma quoi qui sont les incirconcis. Mais là, ils tu coules. Qui sont les chiens. Mais ouais, il soit attendez en qui sont les mauvais ouvriers. Paul cite mais attends. Paul a cité trois catégories de personnes. Et donc, mais nous comptons, mais non, vous êtes tu coules. Première catégorie, prenez garde aux chiens. Bon, je vous l'ai expliqué tantôt. Le chien va te mordre. Mais regardez, deuxième catégorie à qui il faut prendre garde. Les mauvais ouvriers. De quel ouvrier parle-t-on? Il perd dans ton groupe. Il perd dans l'église avec toi. Il perd dans un groupe où vous êtes et sera même le chef. Les chiens qui viennent dans une église, ils se trouvent vite une place et ils deviennent des présidents ou des chefs. Et là, ils sont rapidement chefs. Parce que car le mauvais se cherche un chemin pour aller au sommet. Et là, on dit prenez garde aux mauvais ouvriers. Aujourd'hui, les gens te disent ne donne pas ta dîme. Mais on dit mais ne donne pas. Mais ils te diront ne va pas à l'église et reste à la maison. D'autres te diront ne va pas là, c'est un mauvais endroit. Je le vois, on travaille ensemble, on fait des gris ensemble. Il y a un mégot noir, il y a un prophète qui tourne sur moi. Mon prophète aussi vient chez le même petit choc que chez moi. Ah, quand bien qu'on a. Demande-lui simplement. À son prophète, on a bon. La maladie que le prophète guérit. Va chez ton petit choc pour qu'il le guérisse, je verrai. C'est simple, hein? C'est simple. On dit amen. C'est fini. C'est fini. Que ton petit chef fasse ça. Toutes ces gens-là sont des mauvais ouvriers. Quand il est venu s'asseoir auprès de toi pour ruiner ta vie. C'est ça Paul dit, prenez garde aux mauvais ouvriers. Troisième catégorie dont Paul parle, c'est les incirconcis. Les incirconcis. Les incirconcis. S'il y a un incirconcis dans la maison qui s'approche. Vous connaissez mieux que moi, non? Et donc, à quel point ils ont la machette et ils chantent ici. Nous pouvons filer là-bas. Et
quelqu'un dit la vérité. Si y a des circoncis qui ne s'approchent même pas. Ils sont des circoncis. Ils ne sont pas chrétiens. Les circoncis, c'est le non-croyant. Tu peux être dans l'église pendant 17 ans et être un non-croyant. C'est pour cela aujourd'hui le corps de Christ nous reculons. L'adoration de Dieu n'est plus à sa place. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus de fidélité. Beaucoup de prostitution dans l'église. Beaucoup d'alcoolisme dans l'église. Beaucoup d'orgueil dans l'église. Beaucoup de tromperie dans l'église. Car ils sont ainsi concis. Oui. Ils sont ainsi conçus. Voilà le problème. Tu ne peux pas avoir un problème de dire, frère, viens travailler, il va partir avec l'argent des gens. Il est là. Il attend quelqu'un vient témoigner qu'il a reçu une grosse somme. Mais on faut témoigner. Il va dire, comment allez-vous? J'ai un problème de millions. S'il y a un incirconcis qui ne vient pas, Paul dit prenez garde aux incirconcis. Si tu mets un frère, tu lui confies un travail, il va détruire le travail pour toi. La parole de Dieu n'est pas je reçois tout le temps. Mais c'est pour t'amener au ciel. Si cela te fait réellement mal chose. Les incirconcis qu'ils sont auprès de toi dans l'église. Vous avez appris ce qu'il a dit. Vous avez appris ce que tel a dit. Vous avez appris ce que tel a dit. Et ils n'entendent jamais ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu vous a dit le dimanche? L'incirconcis ne veut pas ça. Le chien ne veut pas ça. Paul dit, prenez garde à eux. Prenez garde. Le chien ne refuse rien du tout. Il se prostitue partout. Partout. Ils ne connaissent pas un endroit propice. Sous les tas d'ordures partout dans la douce, sur le chemin. Tu iras en enfer, hein? Matthieu 7, 6. Matthieu chapitre 7, le verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Ne se retourne et ne vous déchire. Oh my God. Écoutez-moi bien. C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui parle ici. Vos choses de valeur. Ce qui est saint. Ce qui est mis à part. Ne les remettez pas aux chiens. Si vous leur donnez cela. Ils vont le mettre dans les pencheries. Et les pousseaux vont les fouler au pied. Quand ils finissent de fouler cela au pied, ils retourneront contre vous pour vous déchirer. Qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit simplement, ce qui a de valeur pour toi, prends soin de ça. Le don que Dieu t'a donné, tout le monde ne peut pas le miracle. Mais tu peux rêver. Tu peux avoir la sagesse. La sagesse est un don. La bénédiction est un don. On peut donner à l'église. On peut rêver et en parler à quelqu'un. Écoute-moi. Garde-le précieusement. Si tu le donnes aux chiens, si tu l'utilises aux chiens, ils vont le fouler au pied. Et le mettre dans les penseries. Vous savez qu'il y a les poires dans l'église. Vous le savez, non? Ils vont le fouler au pied avec les porcs. Et s'ils le prennent maintenant, ils vont le détruire. Beaucoup de gens ont perdu leur don ici. Le chien. Le chien méchant dans l'église.
Prenez garde à eux. Jésus en nina toi, oublie bon. Jésus dit, prends soin de ton don. Oublie bon nous nina toi. Prends soin de ton don. Oublie bon nous mauvais toi. Prends soin de l'œuvre de Dieu que tu fais. Oublie bon nina toi. Prends soin de ta prière. Ou à sortir avec le groupe de bien dehors. Fais le bon travail dans le groupe où tu es. Et prends garde à eux. Non, vous êtes tous les jours. Prends garde aux chiens. Ils sont dans l'église et à la maison aussi. Ça peut être ton oncle. Quelqu'un a parlé. Il était en Europe, on l'a accueilli. Et il est retourné au Bénin. Il est venu chez moi au conseil prophétique. Je lui ai dit telle personne qu'il a fait. Il dit, les gens disent, mais moi, je n'y crois pas, il ne peut pas être ancien. Il a confiance en chien. Je lui ai dit une chose. Ce qui fera pitié, quand tu seras dans le tiroir à la morgue, tu ne peux pas revenir dire à un homme de Dieu, Dieu a dit la vérité. Les chiens endurcissent le cœur des gens et on ne les reconnaît pas. Les faux amis sont toujours là, quelle que soit la situation, il ne partira jamais. Parce que tout. Pourquoi? Objectif de Wado. Il a un objectif. Une personne debout peut avoir deux facettes. Il peut avoir deux faces. Dans la journée, une face, la nuit, une autre face. Quand tout le monde marche aussi, lui il marche à reculons. Il faudrait avoir les yeux spirituels pour reconnaître les chiens. Il y a quelque chose dans l'homme. En tout moment, il voit le chien. Même si le chien ne lui dit rien, il a peur. Votre chien, là, on dit non, il ne te fera rien. Il ne te fera rien, il est calme. Qu'elle bouge la queue aussi. C'est vrai, il ne fera rien. Si moi, ma femme est rentrée dans une maison, Première des choses. Il y en a un. Écrivez numéro 1. Elle a pris une plaque, tu coupes ton chien méchant de Rondia. Elle regarde, il y a une plaque de attention, chien méchant. Si elle ne trouve pas, écrit 2. 2. Elle a quand même. Tu coupes ton chien. Elle demande d'avoir un chien dans votre maison. Après avoir fait ça, quand il y a un chien là, elle reste derrière son mari. Moi, même qui suis devant, j'ai peur du chien. Donc mais à part toi, qu'est-ce qu'on est déclaré? Un peureux conduit le nôtre. Donc ils ont, ah sous tes résidents non. Même quand l'homme a peur, il ne le fait pas savoir, il dit non. Ah oh, non, sous tes résidents non déjà. Même quand l'homme a peur, il dit non, rien ne se passe. Il y en a bon, vite en coup. Un monsieur a perdu son enfant. Bon, le vieux quoi? Quand l'enfant est mort. Bien vieux, mon gobelet, mon gobelet, non. Tout le monde pleura, s'enroula et les belles dit non. Non, prophète, ne déjà, ma ouais, ma ouais. Rien ne s'est pas. Rien ne s'est passé, c'est Dieu qui a donné, il a repris. Quand on est allé au droit, le pasteur qui était pas avec moi, il a foi. Hein. Sa foi est bien enracinée. On était au portail. Hein. Il a quitté la maison, il est venu chez nous. Oh, mais oui, oui. Ah, vous êtes en train de partir. Oh, yeah. Oh. Mon cœur brûle. Il n'a pas attendu qu'on parte. Donc t'as tout. Pourquoi? Mais le vaillant homme, même quand il souffre, s'il est réellement circoncis, il pleure intérieurement. Et il supporte. Moi, parce que j'ai peur, je conduis ma femme. Non, il m'a dit que c'est une chose. Pourquoi tu as peur? Il ne te fera rien. Il ne pourra rien te faire. Si jamais un chien t'a déjà déchiré ton habit, si tu vois le chien, tu auras peur. Il y a une seule chose qui chasse le chien, le sable. Parce que tout. Pourquoi? Je vous l'explique encore. Tous les hommes sont issus de la terre. Le chien, c'est une créature. Nous sommes issus de la terre. Comme ils ont volé ce que nous sommes, Adam a donné cela. Jésus nous a retourné ça. Donc il suffit que nous quand nous voyons un chien, prélève un peu le sable et montre-lui ce que tu es. Voici ce que je suis. Il va fuir.
Montre ce que tu es aux méchants. Ils viront loin de toi. Bien aimé, écoute-moi bien. Reste éveillé. Surtout ceux qui préparent mes copieux. Un évangéliste. Il allait portifier quelqu'un à la maison. Quand il y allait, maman, quand Asua, Asukusie, c'est une veuve. Asukusie, vous connaissez la veuve, non? D'ailleurs, les jeunes dames, mais elles sont pressées dans Asu. Elles sont encore jeunes dames, elles sont pressées de se remarier. Homme de Dieu, le zélé qui garde. L'homme de Dieu étant vraiment zélé. Elle va dire, nous sommes. Vous savez comment il se comporte? Ah, je ne t'avais prié pour toi. Merci. La prié pour elle. Maman, non, assieds-toi, elle va te servir un peu. Si c'est une sauce légume, tu vas manger. Glacé, ma fine. Il y a la sauce légume là. On lui a servi. Si le ventre de devant, ce ne peut pas faire l'homme de Dieu. A trompé en sort. Tu t'es trompé de métier. Tu peux être directeur général. Tu veux travailler dans le ministère. Tu vas bien manger proprement. Mais le beau Dieu. Il n'y a pas le ventre. Écoute-moi bien. Il a bien mangé la sauce légume. Quand il a fini. Maman, je vais prier pour toi, papa. Maman dit non. Homme de Dieu, il a encore glace de bien. Homme de Dieu va te donner de l'eau glacée, tu vas. Ok. Il a dit ok. Si je quitte, si j'irai sur la montagne. Et maintenant, l'échelle dit. Il n'a pas vu sur l'échelle. Et c'est une glace. Moi, j'ai aussi. On a mis la glace dans l'eau. On a mis du citron, un peu de sucre. Quand il a bu, il a roté. Il y a seulement un petit peu de rincé. Non, ça n'a pas besoin. Non, papa, pas de rincé, tu es chez toi. Mais c'est vrai. C'est vrai. Il s'est rincé. Mais ton évangéliste a dormi là. L'évangéliste finalement a dormi là. Vous-même, vous êtes sage, c'est pas moi qui vais vous le dire. Et nous? Il a mangé. Bon, nous, eau citron. Il a pris citron. De l'eau citronnée. Citronnée, ouais, noir. Ah, eau citron, néon d'or. Eau citronnée. Vitamine C. Oh. Et nous, et dame, ça. Il s'est endormi. Aïe, allô. On le fait du jour. Allô. Alopé, nous, bah, ouais. Je veux te voir, Alopé. Ouais, continue. Ouais. Viens chez moi. Ils ont volé mon onction. Mon ami. J'ai dit quelle huile. Épose-moi la main, prie pour moi. Non, il y a un problème. J'ai dit ce n'est pas ça le problème. Le problème d'avoir tombé sida derrière toi. Le grand problème, c'est parce que tu as contracté le sida. Voilà que maman elle est veuve. Tu ne sais pas ce que tu as pris chez elle. Maman a soukousi a tourné roi sous toi. Tu ne sais pas ce qui a tué son mari. Il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et Dieu lui. Il s'est laissé mordu par le chien. Ils sont nombreux, c'est pour te mordre. Il y a un chien sous ta chaise. Il veut te mordre. Il t'a mis à pleurer. Tu vas jeûner avec moi. Je veux faire 6 jours en face de mon Dieu. J'aimerais que tu m'aides. Je n'ai pas demandé à ma femme. Si toi tu vas faire le sexe et tu as un problème, est-ce que j'ai joué avec toi? Quelqu'un d'autre mange la noix de palme. Et moi, ma bouche sera humide. Je refuse. Quand merci de Bodopo. Un jour, une femme. Elle est allée coucher avec un homme. Quand elle a couché avec l'homme, alors qu'elle est une femme mariée, elle a même beaucoup d'épouses qui peut la remplacer. Elle est allée commettre l'irréparable. Quand elle a fait, Rigobert. Elle dans la maison, elle commence par appeler le nom de son amant.
Au marché, un peu appelé son amant. Oh, Grigobert. Grigobert. Ah. Bon, assure-toi, mais je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis concrètement? Grigobert. C'est quoi, Grigobert? Je veux voir clair dans le dossier. Mais là, elle a dit. Elle a dit non. D'autant Gandhi. Écoute-moi bien. Ça prenait de l'ampleur. Tous les beaux-frères ont donné à consulter l'oracle. Vous connaissez des beaux-frères, non? On doit questionner Dieu. Notre fétiche, on doit le questionner. Vous savez pourquoi la dame l'a dit ça? Quand on a dit ça, elle a pris taxi moto. Elle est venue ici. Je veux voir l'homme de Dieu. On a dit il n'est pas là. Et il a cité. Il a appelé ma femme. Nous papa le fil est pour. Quel que soit où l'homme de Dieu se trouve. J'ai manqué seulement l'église. Mais alors ton beau tiens. Mais ça ne répond sur moi encore. Tu coules. Les chiens. Dai da. Sont méchants. Bon, non et quoi? J'ai dit viens. Non, non, il y a une chose. Si tu la laisses, elle a encore un problème, c'est toi qui seras condamné. Ben, elle est venue. Non, table. J'ai dit, qu'as-tu fait? Donc, tu sais. À ce moment-là, on ne dit plus clairement. Et on n'entend pas bien. Mais il est tombé sous. La voix est bloquée. Elle est torturée. Et donc, blabi, dit, et donc, blabi, ça. C'est comme si on visse une vis. Il va coucher avec moi. Papa. Papa. Tu peux prier avec moi. Moi, je m'en fous. Ma femme, c'est pas j'ai dit, tu peux te fâcher, j'ai dit femme. Je vais réellement t'aider, c'est vrai. Mais je ne peux pas jeûner avec toi, hein. Quand tu as ajouté à sec. Toi, tu vas faire 3 jours de jeûne à sec. Quand c'est toi, c'est toi. Quand c'est toi-même qui a été juif. Quelqu'un va jouir et moi je vais m'abstenir de manger. Quoi même? Qu'est-ce qui s'est passé? Réellement? Mais là, il y a un emblème. Même si le fidèle a fait ça, il faut prier avec lui, non? Jeûner, est-ce que c'est amusant? Vous voyez comment je suis. Je vais encore jeûner parce qu'il allait commettre l'iniquité. Eh oh! Non! Mais là, c'est vivant. Si quelqu'un jouit, qu'il jeûne aussi bien. Je ne suis pas là pour ça. Prenez garde aux chiens. Prenez garde à eux. Ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas de l'église. Apocalypse 22, 15, mais en fond, écoutez. Apocalypse 22, le verset 15. Dehors les chiens. Les enchanteurs. Mais non, ça, les impudiques. Les meurtriers. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia. Les chiens. Les enchanteurs. Les impudiques. Les meurtriers. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Écoute-moi bien. Ce qu'on appelle chien. Mais nous comptons, mais nous savons pas demain. Les enchanteurs. Donne-moi un pâteau de choukoué. Dis à ton voisin, ce sont des chiens. Donne-moi un pâteau de menoua, nous coudi coudi au choukoué. Les impudiques sont des chiens. Roussetan choukoué. L'idolâtre est un chien. Donne-lui roussetan choukoué. Dis-lui, l'idolâtre est un chien. Donne-moi un pâteau de choukoué. Celui qui pratique le mensonge est un chien. Donne-lui dehors. Dis-lui dehors. Hein? Oui. Korota. Dehors. Et ouais, tu coules. Dehors le chien. Et non, moi aussi, tu hein. Il doit pas rester dans la maison de Dieu. Kota. Dehors. Kota, le de quel dehors, pas on dit dans l'enfer. Zomé.
en enfer. Tu verras les chiens. Les prostituées. Les idolâtres. Les menteurs. Je connais monsieur. Je connais frère. Il m'a jusqu'à prendre la Bible et la paix. C'est moi-même qui l'ai vu. Bon Dieu. Dis à ton voisin, c'est pas le jour où on prend la misère encore boîte. Que le Seigneur nous aide. Encore Dieu, toi, son ton. Tu vas appeler trois fois le nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tout chien dans ma famille. Dans mon service. Dans mon service. Dans mon église. Dans mon groupe. Big Bobby man. Saint Esprit. Moi voici où. Dévoile. Et yade. Hey. Likaga barabara babush. Nous avons prié au nom de Jésus. Mais quand tout le monde se lève et prie. Écoutez-moi bien. C'est un chien. Sont eux qui sont proches de vous et plus avec vous. C'est difficile de la reconnaître. Il est proche de toi. Bref, et il plaît avec toi. Il te donne même de l'argent. Alors qu'il veut te mordre. Tout chien pense de moi. Qui veut me mordre. Mais qui se cache. Saint Esprit. Et c'est s'il prend les ténèbres, la lumière est sur lui. La lumière de Dieu. Voici sa marche. Il marche avec moi. La lumière de Dieu. Voici sa marche. Ça, tout ça, gars. Lève ta main.
Tout chien caché dans ta maison. Dans ta famille. Qui t'a poursuivi. Qui veut te mordre. Qui te renifle. J'ordonne. Que le chien meure. J'ordonne que le chien meure. Je dis 170 chiens aujourd'hui. Choukou debout. Tout chien. Le feu d'épée. Dans une maison. Famille de main. Dans une famille. Un débé d'amis, c'est ça le 170. Je dis que l'on soit 170. Qu'il meurt. Qui sont dans les peuples de Dieu. Qui détruisent. Je dis qu'il meurt. Je dis qu'il meurt. Dans ton service. Dans ton marché. Dans la maison avec toi. J'ordonne que ces chiens meurent. Qu'il meurt. 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 Jésus, c'est comme ça. L'onction brise le joug. Expliquez que quelque chose se passe. Il y a 5 personnes dedans. Et on a mis le chien dans leur vie. J'entends dans la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus Christ. C'est le dans la vie duquel on a mis le chien. Et sa vie est. J'ordonne. Puissant de Dieu. Que le chien sort de sa vie. Amen. Voilà ça. Voilà ça. Mais il a un bloc bruit. Ils feront du bruit. Ils sont 5. Mais nous connectés. Restez connectés. Mais des cinq personnes, mais celui de la vie duquel on a mis un chien. Et il est venu ici aujourd'hui. Jordan. Poussant de Dieu. Sors le chien de sa vie. Et voilà ça. Elle est. Voilà. Elle est. Voilà. Tu crois que tu es un peu plus de temps? Monsieur sort. Monsieur sort. Monsieur sort. Tape avec le feu. 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 Tu crois que le chien sort? Amen. Il y a un temps. Ils sont 5. C'est à tout ça, gars. Lève ta main. Mais ne pouvez faire choukouno yé dame l'homme. Quiconque ici est le chien le poursuit dans le sommeil. Choukou pour mettre en éloignant yé dame l'homme. Le chien spirituel qui te poursuit dans le sommeil. Qui te chasse dans le sommeil. Qui est rentré dans ta vie dans le sommeil. Un des petits. J'ordonne maintenant. Zapro kayama sende rikata yaba yaba. Homo sakata. Et pour toi, attends. Il reste 3 personnes. Un. Pique pas mes Saint-Esprit. Fit aimer à toi et colère. Où sont les 3 restants? Ndebe. Jordan. Tu connais tous ces présents toi-même. Que le chien sort de ta vie. Amen. Elle est. Voilà. Elle est. Voilà. Allô, maintenant oui, tu crois. La main de Dieu le saisit. Elle est. Voilà. Elle est. Voilà. Elle est. Misewa. Voilà. Misewa. Misewa. Amenez-les devant. Misewa nous quand. Amenez-les devant. Mais en temps, ma oudoua, comme je a dit 5 personnes et en reste 2. Bon, dit, bon, et je crois j'en ai la certitude. Aujourd'hui, ils seront totalement libérés. Zala lève ta main. Tu touches un spirituel qui t'a poursuivi. Poussant le Dieu. Avec ton œil éclair. Poussant de ta vie. Voilà. 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 Poussant de ta vie. Voilà. 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 Tu crois que toi, c'est moi, le chien sort de ta vie. Rabayama sendere boka. Et comme le pot. Ça reste une personne. Alors, mouton. La main de Dieu. Et crainte au présent toi-même. Et tendu dans ta vie. Bon fouiller présent toi-même. Et fouiller ta vie. Bon, tu crois que c'est présent toi-même. Il sort le chien de ta vie. Elle est. Voilà. Elle est. Voilà. Elle est si présent toi-même. Il le sort. Elle est si présent toi-même. Il le sort. Bon, tu es aussi. Sous l'an, encore, tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus.